Je leur vends un rêve auquel ils croient, papy. Pour ça, ils sont prêts à tout m'acheter. Vous vous êtes surpassé, Popper. Absolument. Qui veut passer avec son papa un week-end de rêve? Sûrement pas moi. On va s'éclater. Quand ai-je déçu un membre de cette famille? Notre dernier anniversaire de mariage. Thomas, ton père t'a légué quelque chose. Il était où cette fois? En Antarctique. Je te rappelle. Oui, Poppy, je ne pourrais pas venir au bureau aujourd'hui pour cause de parasites. Urgence aviaire, faites le 1. Essayez l'office de la faune aquatique. Essayez les services sanitaires. Ne commence pas à t'installer, pingouin. Je passe un coup de fil et tu repars d'où tu viens. Allô? Je vais devoir vous renvoyer les pingouins. Renvoyer les pingouins? Oui, les pingouins, oui. Toi, je ne t'aime pas. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Ah, monsieur Popper, j'ai votre pingouin. Ce pingouin n'est pas à moi. Ah, vraiment? Ça peut être n'importe qui. Ouh, hé, hey, je suis pas tout à fait prêt. Des pingouins, super! C'est pas du jeu. Monsieur Popper, donnez-moi les oiseaux. Vous ne pouvez pas les emporter actuellement. Mes enfants seraient dingues. Quelqu'un veut bien me passer le sel? C'est bon, je l'ai. Quel est l'auteur de cette mascarade? Vous deviez m'attendre dans la voiture. Restez en formation serrée. Hey, on l'avance toutes. Pourquoi vous vous tapez dessus? Hein? Pourquoi vous vous tapez dessus? Pas très sympa pour un employé de zoo. Jim Carrey. Ça, c'est un coup bas. Il faut vous ressaisir. Votre maison est pleine de pingouins. Je sais où est. Monsieur Popper et ses pingouins. Les enfants, regardez ça. Et... droite, changement, gauche. Changement plus, allonge. Tape du pied, tourne. Tape du pied, tourne. Tape du pied, tourne. Et... posture.